Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, vous êtes nombreux à me demander l'astuce naturelle, l'astuce fait maison pour booster la fertilité masculine. Comme je vous ai toujours dit, lorsqu'il y a difficulté de concevoir dans un couple, les deux partenaires doivent se rendre à l'hôpital pendant que la femme fait les examens de son côté. L'homme également doit faire cet examen qu'on appelle spermogramme pour voir s'il n'a pas une anomalie spermatique, c'est-à-dire l'anomalie liée au sperme. Parce que l'expérience a montré que 30% de problèmes d'infertilité dans un couple vient de l'homme. Voilà. L'homme, je vais un peu vous citer les anomalies, quelques anomalies spermatiques. Il y a l'oligospermie. L'oligospermie, c'est quand les spermes sont en quantité insuffisante. Il y a également la tératospermie qui est la mauvaise qualité lorsque les spermes sont de mauvaise qualité. Il y a également l'azospermie. Azospermie, c'est quand les spermes sont dépourvus de spermatozoïdes. Alors pendant les rapports, lorsque vous émettez, les spermes émis ne contiennent pas de spermatozoïdes. Il y a également l'asténospermie. L'asténospermie, c'est la mauvaise mobilité des spermatozoïdes, c'est-à-dire pendant les rapports, les spermes que vous déposez là ont des difficultés à remonter dans la cavité de l'utérus. Voilà. Il y a également la nécrospermie. La nécrospermie, c'est quand un grand nombre de spermatozoïdes contenus dans les spermes sont déjà morts. Voilà. Il y a également l'aspermie. Alors, lorsque votre partenaire, votre époux, souffre de l'une de ces anomalies, vous ne pouvez pas tomber enceinte. Il aura les difficultés à vous enceinter. Voilà. Sans plus tarder, je vais vous montrer cette astuce. Avant de vous montrer cette astuce, je t'invite à cliquer sur s'abonner, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche pour recevoir les notifications chaque fois que je mets une nouvelle vidéo en ligne et partagez aussi cette vidéo, partagez massivement cette vidéo pour sauver les femmes tarées de tous les noms dans les foyers pour problèmes d'infertilité. Alors, let's go! Alors, sans plus tarder, pour la recette, nous aurons besoin du petit collard que voici, encore appelé bitacola. Nous aurons besoin d'ail, 5 gousses d'ail, du gingembre et du miel. Alors, lorsque vous réunissez tous ces éléments, cherchez un grattoir, vous râpez correctement tous ces 5 petits collards, ail et gingembre. Dans un litre d'eau, mettez tous ces ingrédients déjà râpés et ajoutez-y une cuillère à soupe de miel. Voilà, vous pouvez mettre dans une bouteille, secouer correctement et vous gardez au frais. Lorsque vous gardez au frais, vous allez boire un verre le matin, un verre le soir. Pour le soir, buvez 1 à 2 heures de temps avant de dormir pour éviter les problèmes d'insomnie. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Alors, avec cette astuce, vous buvez un verre le matin avant ou après le repas et un verre le soir avant ou après le repas. Mais pour le soir, buvez 1 à 2 heures avant d'aller au lit, puisque vous pouvez, l'effet du petit collard peut vous donner les problèmes d'insomnie. Partagez massivement cette vidéo. On se revoit la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va parler de comment soigner les trompes bouchées. Voilà. On se revoit la prochaine vidéo. Bye bye.